On va commencer par Mohamed Simakan qui joue du côté du Rasenballsport Leipzig en Allemagne et qui a commencé à Strasbourg en tant que défenseur central. Il a signé à Leipzig lors de l'été 2021 et depuis l'arrivée de Marco Rose en cours de saison à Leipzig, il se retrouve à jouer défenseur droit où il est titulaire, où il fait vraiment des bonnes prestations. Et connaissant Didier Deschamps et son amour pour les défenseurs centraux qui deviennent latéraux, on peut le voir notamment avec Pavard ou également Koundé, lui répond vraiment au cahier des charges du latéral, même si c'est vrai qu'il ne monte pas assez par rapport au latéral moderne, mais par rapport à ce qu'attend Deschamps, il a clairement les qualités pour. Et c'est pourquoi je mets Mohamed Simakan dans cette liste, car pour moi, il a vraiment le potentiel. Je pense qu'il est prêt. Avec l'accumulation des matchs de Bundesliga et de Ligue des Champions, il a clairement l'expérience nécessaire pour pouvoir être en équipe de France sans problème. Je pense que même, il pourrait presque devenir titulaire, car Koundé, pour moi, n'est pas forcément une vraie garantie. Et Pavard, il y a eu visiblement quelques problèmes à la Coupe du Monde. Donc c'est pourquoi je pense que Mohamed Simakan doit vraiment goûter au bleu cette saison.